Alors, si on fait ça, c'est parce que vous êtes 1000 sur ma chaîne. On vous en veut un peu, du coup. Parce que là, on va regarder pendant 3 heures le top 10 des meilleurs jeux vidéo de 2017 de Cyprien et Squeezie. C'est vraiment très très bien. Oui, vivement qu'ils fassent une nouvelle vidéo ensemble. Le top 10 des meilleurs jeux 2023, non 2024. Je payerai pour ça, ok. Je vais les ping. Tu vas les pinguer sur Discord. Oui, complètement. C'est bon, les règles, c'est 3 heures, c'est tout. Bah, il y a aussi ne pas jouer à un jeu vidéo, ne pas faire autre chose, basiquement. On peut rien faire à côté. En fait, je vais vider mon eau avant que ça commence, comme le popcorn quand tu vas au cinéma. Qui a la ref? Ouais, allez, on y va. Allez, on y va. Je regrette. Moi aussi. Et si, pour ce top 10, c'est jeu de l'année. Mais c'est le top 10 des mecs les plus balèzes. Des plus gros moments de malaise. Ah non. Mais c'est le top 10 des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Ouais, tu vois, pour l'instant, je vois que t'as beaucoup de... T'es vraiment enjoué. Ça va pas durer longtemps. Au bac, tu pourrais les citer en philo. Ah oui. Ah oui. Heureusement que j'ai pris mes cachous la jaunie, enfin ma drogue, quoi. Heureusement que j'ai pris de l'exta. Ouais, quoi? Inoxtag, tu veux dire? Ouais, ouais, vivement qu'Inoxtag il revienne du Mont Everest, parce que là, YouTube, ça va plus. Hein. On est revenu à l'époque où on regarde des vidéos d'une heure. Top 10, For Honor, Samouraï, Katana, Viking, Château Fort, Viking Attack à la hache. Quel gamin. Fais des parades, des esquives. Non, mais sérieux, quoi? T'as déjà perdu, donc respire. The 9 Cup, les joueurs sont pas au bout de leur peine. On dirait un dessin animé, mais c'est mignon. Je sais pas pourquoi j'y joue alors que je fais que de perdre. Ok, top 10 New Torota. Je suis envoyé sur son but et c'est un robot de bâtard. Avec mon bandeau sur les yeux, c'est compliqué de voir. J'ai mal à garder autre chose que mon perso à poil. Vas-y, je pensais que t'avais arrêté le jeu vidéo. Bon, j'avoue, j'ai joué jamais. Et ton bébé? Je l'ai volé à quelqu'un. À toi? Non. J'ai pas mis les putains de titres. Des mecs les plus stupides, des mecs les plus utiles, ça non. C'est le top 10 des mecs les plus malaises, ça non. Mais c'est le top 10 des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. C'est fait exprès. Yo, il n'est pas fait. Je sois inutile et ma coupe de cheveux. Quel est les coups que je veux? Au raison, je suis trop fort, discret, invisible. Mais j'ai pris une décision. Ivre mort, tiré des flèches des robots dinosaures. Lapin, crétin, leur mon fusion, y'a un pépin. Ils ont donné des armes de ouf à Mario et ça clique. Le franco-japonais, ça donne un jeu magique. Top 4 résident, T-Vil 7. C'est pas évident, t'es discret. La famille tombe dessus, je regrette cette voyou et rillette. Un Mario Odyssey. Je lance ma casquette au pif et on transforme en trucs divers et variés. Il me faut vraiment toutes les lunes obligées. PUBG ou Fortnite. Ascend sur la même émile, ça part en grosse fight. Et survivre, faut rester là, faut pas craquer, on n'a pas réussi à choisir. Toi, lequel t'as préféré? Breath of the Wild. Arc, flèche, arc et côte de maille. Étoffe le mal. Mais je ferai toujours l'effort de me battre. C'est pas le top 10 des mecs les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10 des mecs les plus malaises, des plus grands moments malaises. Top 10 des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Des morts les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10 des morts les plus malaises, des plus gros moments de malaise, ça non. Ouais, les morts les plus mais c'est le top 10 des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Vraiment un banger. Ouais, y'a rien qui allait. Ils ont décidé de pas mettre les sous-titres quand ils parlaient, c'était insupportable. D'ailleurs, faudra parler du fait que 2017 c'est vraiment la meilleure année pour le gaming avec 2018. Oui, vraiment. On fera une vidéo documentaire 2017, la meilleure année du jeu vidéo. Et après, on dira que oui, parce qu'il y avait Doki Doki Literature Club et on arrêtera la vidéo là. Ouais. Viens, on fait le top 10 des meilleurs jeux de 2018 aux 10 000 abonnés. Ok. On vole leur feu, on vole leur rime et tout, juste on change le nom. On en parle de quand Cyprien il fait PUBG ou Fortnite, il fait bouger ses mains de droite à gauche comme ça. C'est un peu drôle. T'as envie de prendre l'effet de couper le son, de mettre le moment où il bouge et après de faire à l'inversé et à l'infini. Et après on la regarde. C'est vraiment des grosses merdes. Oui. Regarde, il va faire le moment rigolo.
Moi, la gestion qui me fait trop rire, c'est Squeezie qui gigote sur le premier refrain. J'avoue, c'est vrai que ça c'est drôle. Aussi, les filles qui sont déguisées en chien. Qui a dit oui pour les mêmes déguisés en chien d'ailleurs. Ah, mais en fait, il y en a deux, elles ont le même pull que Cyprien. Et il y en a deux, elles ont la même tenue que Natsu. Ça veut dire en fait, c'est pas Squeezie, c'est Natsu. C'est genre Cyprien fit Natsu. Quand est-ce qu'on réacte à Oh, je fais des trucs un peu malsains. Je fais une vidéo de ça. Oh, 1 million d'abonnés. On fait une analyse du clip. Là. Oui, c'est vrai. C'est le truc rigolo quand il a ses mains devant lui qui tourne. Oui, ça rend trop drôle ça. En fait, j'ai juste envie de faire une version sans son où t'as que les moments où il bouge beaucoup les mains et tu mets des bruits de vent à la place. Ça serait bien plus agréable. Ouais, je l'entends tellement que mon cerveau annule le son. Là. Enfin, je peux pas en parler. Non, moi, il reste dans un coin quand même, il me hante. Il y a déjà tout le monde qui a quitté la vidéo à ce moment-là. Hein. Donc, basiquement, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Un avis sur l'esclavagisme. Wow, très mal. C'est pas bien. C'est le top 10 des morts les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10. Des morts les plus balèzes, des plus courts moments de malaise, ça non. Imagine Cyprien, il vole ton bébé. Oh, bah j'adore, je lui choque moi. Je lui trade. Je fais comme un villageois dans Minecraft, ça. Il donne une émeraude, hop, un bébé. Un bloc de terre. Des graines de betterave. Attends, je vais le faire avec le top de senscritique.com. Top 10, Assassin's Creed Odyssey. Je me souviens de ça. Top 9, Monster Hunter World. On dirait un dessin animé, c'est mignon. Ouais. Top 8, Return of the Obradin. Top 6, Detroit Become Human. Top 5, Marvel Spider-Man. 4, Super Smash Bros. Ultimate. Top 3, Céleste. Elles ont vraiment mis Céleste en 3? Oui. Top 2, Red Dead Redemption 1 ou 2. Top 1, God of War. On a combien de temps là sur les 3 heures? 46 minutes. Ok. On a déjà épuisé tous les blagues. Oui, on n'a plus rien. Bon, heureusement, je vais faire le cover avec la boîte Todd. J'essaie de faire Mickey, sachant que mon Mickey est très instable. Top 10, Maronor, Samouraï, Katana, Chevalier, Châteaufort, Viking, attaque à la hache. Je fais des parades et des esquives. T'as déjà perdu ton respire. Depuis que Pep, les joueurs sont pas au bout de leur peine. On dirait un dessin animé, c'est mignon. Je sais pas pourquoi j'y joue alors que je fais que de perdre. Oh. Est-ce que tu ferais un best-of ou tu sortiras un vidéo comme ça? Les deux. Imagine ça fait 1 million de vues. Bah je pense que j'arrête toutes mes autres vidéos et je fais que des réactions de 3 heures. Ok, top 8, Nier Automata, je suis envoyé sur Terre pour buter ces robots de bâtards avec mon bandeau sur les yeux, compliqué de voir, j'ai du mal à regarder les choses qu'on perçoit poil. Je me souviens à l'époque, j'aimais trop ce moment où la voix devenait trop grave, et j'étais en mode waouh, c'est tellement stylé. Là, cette phrase, il me faut vraiment toutes les lunes d'obliger, ça se voit, ils avaient juste besoin d'ajouter des syllabes. Parce que le vraiment, tu peux le retirer, il est absolument pas nécessaire, et le obligé, c'est juste pour la rime. Ah non, je suis un gamer. Et ton bébé, je l'ai mangé. Et toi aussi, non, mange pas les chiens. Mais si, il mange ton bébé comme ça. Là, comme ça en live. Tout à l'heure, il y a une pub qui m'a appelé. Parlé dans une langue qui n'existait pas. Elle fait blasnav. Et après, elle fait un. j'ai fait une autre chose en mode. Tu manges la gueule. Un. Il a raccroché. Bien, en 8ème dernier robot, on m'envoie sur la planète bleue pour génocider des IA détestables. Néanmoins, par la faute du tissu sur mon visage, la vue m'est inaccessible, des difficultés à observer autre chose que la dignité de mon alter ego virtuel. Ce n'est guère la meilleure dizaine d'aider ces absurdes, des conseils très pertinents, ça l'est pas. Ce n'est guère la meilleure dizaine des hommes vraiment stock, des instants de gêne intense, ça l'est pas. Cependant, c'est la dizaine des contenus vidéoludiques les plus qualitatifs 2017. Des contenus vidéoludiques les plus qualitatifs 2017. Des contenus vidéoludiques les plus qualitatifs 2017. Une deuxième position étendue au loin, je me sens très habile. Les réservés par en sans odeur, une soirée au bord du colosse, j'ai décidé de lancer des aiguilles à l'intérieur dinosaurien mécanique. Au pied du podium méchant, habitant 7ème du nom, à l'intérieur de cette habitation, il est fort complexe de se faire petit. La généalogie, je suis sur ma personne, j'ai de la peine pour la faute de mon étude. Autour du meuf sur lequel on mange pour le remplacer, organe humain et garniture composée de viande. Ok, il faut les robots là. Oui. Oui! C'est fini! Je suis tellement content! En vrai, petit débrief. Il est 2h13, 33 secondes. Et on vient de regarder 3h du top 10 des meilleurs jeux de 2017 de Cyprien et Squeezie. On a eu le temps de réécrire les paroles et de complètement les modifier. Voilà, c'est ça la conclusion, on peut pas faire mieux.